Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser une salade de lentilles. Alors ça, c'est mon péché mignon, les lentilles. Alors en salade, vous allez voir, c'est hyper facile et c'est excellent. Pour réaliser cette recette, il va me falloir, j'ai compté 200 g de lentilles. Il va me falloir de l'échalote, du sel, du poivre, de la coriandre fraîche et la vinaigrette que nous avons fait dernièrement, vous rappelez, qu'on peut garder plusieurs semaines au frais. Voilà les amis, c'est tout. Donc pour commencer la recette, nous allons cuire les lentilles. Ma casserole, mes 200 g de lentilles, je vais mettre une bonne quantité d'eau froide et je vais mettre à cuire, on va commencer par 20 minutes. On goûte, si c'est pas assez, on continue la cuisson jusqu'à ce qu'elles soient moelleuses. Quand elles sont cuites, je les égoutte, je les refroidis. 25 minutes de cuisson après, j'ai égoutté et refroidi mes lentilles. Pas de souci jusque là. Maintenant, je vais les accommoder avec ma coriandre fraîche, mes échalotes, sel, poivre et vinaigrette. Donc, tout simple. Ça, la coriandre, hein. C'est mon péché mignon, ça. Là. Concasser grossièrement. Ensuite, s'il faut, j'en rajouterai. On goûtera. Je vais mettre du sel, du poivre. Pareil, on rajoutera s'il faut. Poivre frais moulu. Les échalotes. Là, pareil. Là, bien de l'échalote. La vinaigrette donc que nous avons confectionnée il n'y a pas longtemps, vous voyez. Ah, ça c'est super. Attention, la vinaigrette, il n'en faut pas beaucoup parce que ça lie. Voilà. On va bien remuer. Voilà, ça, bien frais, je vous dis. C'est une entrée qui va faire l'unanimité, je vous rassure. Bon, à la base, si vous n'aimez pas les lentilles, j'avoue que... ça va être difficile. Là, je vais goûter. Il ne faut pas lésiner sur la coriandre. Je vais laisser comme ça. Pour moi, je rajouterai un peu de sel, mais je vais laisser comme ça. J'adore. C'est parfait. C'est excellent. Voilà, les amis. Lentilles en salade pour cet été. Je vous remercie. Allez, chats! Allez, chats! Un petit oubli de ma part pour le vin qui accompagne les lentilles. Bertrand de Cavez-vous au Grand Moon vous conseille un blanc Sauvignon, la cuvée By Benat 2019. Il m'a dit, ça se marie excellemment. Donc, les amis, demandez à Bertrand de chez Cavez-vous un Sauvignon By Benat. Voilà, les amis, merci. Merci.